Aïe, aïe, bonjour tout le monde, c'est Flanou. J'ai encore eu des problèmes avec la sorcière. On se retrouve sur le Skyblock Random où j'ai un bloc aléatoire toutes les 15 secondes. C'est parti, let's go. Alors, dans les commentaires, la dernière fois, je vous avais demandé qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour le spawner. Alors, vous étiez pas trop décidé, hein, il n'y a pas eu vraiment de réponse qui est revenue. Par contre, il y a quelque chose qui est revenu. Oh bah purée, j'ai encore eu un bicône. Oh lolo. Il y a quelque chose qui est revenu, mais de façon incroyable, c'est que vous voulez que je tue... Oh, j'ai eu un truc de poule. Ah, trop bien, je peux faire une ferme automatique de poulet, ça. Nice. Alors, il y a un truc qui est vraiment revenu énormément, c'est que vous voulez que je tue la sorcière. Bon, je trouve ça un peu cruel pour les sorcières, mais bon. C'est parti. Donc, un œuf de poulet, ça peut nous servir à faire une usine à poulet. Enfin, une usine à poules, tout simplement. On va prendre un hopper. Alors, faut que je trouve déjà un hopper dans tout mon bazar. Voilà, un hopper, c'est parfait. Ensuite, on va prendre... Ben, on va prendre des dalles, c'est parfait. Ensuite, il me faut un coffre. Donc ça, on va fabriquer un coffre. Ah, voilà, donc là, j'ai du verre. Donc c'est parfait. Alors, déjà, on va agrandir un peu l'île. Donc, on va commencer par mettre notre coffre. Et par-dessus, on va mettre le hopper. Voilà, donc là, déjà, ça donne ça. Pour qu'on voit les poules... Faut mettre les verres là sur le devant. Donc je vais mettre les verres comme ça. Là ensuite on va augmenter. Voilà. Donc faut que ça fasse un bloc plus une dalle. Comme ça les poules elles peuvent pas grimper. Donc on va faire de même. Voilà. Bah à la rigueur on va pouvoir bien monter là. Et ensuite, purée j'ai eu un bloc de diamant. Bon bah on va mettre la poule. Donc là je la fais spawn. Paf, voilà. Et là on referme. Voilà. Et là une usine. Ou la poule, quand elle va pondre, en fait, ça va aller ici, en dessous. Tous les petits œufs. Voilà, bonjour cocotte. Bonjour. Donc bon, je vais commencer par faire votre volonté, c'est-à-dire éliminer la sorcière qui pose beaucoup de problèmes. Voilà, je suis désolée, sorcière. Vous êtes le maillon faible. La communauté des brocolis a décidé de vous éliminer. Oh non, la pauvre. Et là, c'est bon, mon herbe s'est bien répandue. Mais par contre, les cochons, ils spawnent toujours pas, donc... Moi, je pense que pour le spawner, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un spawner à Blaze et qu'on les fasse tomber dans l'eau, en fait, pour qu'ils meurent automatiquement. Et comme ça, ça m'apporte non seulement de l'XP, mais aussi des Blaze Rods. Et les Blaze Rods, en fait, si vous voulez, ce qu'on peut faire avec, c'est qu'on peut s'en servir en tant que... alors, pour faire les potions, pour faire les brewing stands, les trucs d'alchimiste, là. Et on peut s'en servir aussi comme combustible. Je sais pas si vous le saviez. Non, mais regardez ce que j'en ai à voir. J'ai encore eu un command block avec un minecart, là. Sérieux. Je peux même pas les poser, je peux rien faire. C'est abusé. Genre, c'est le deuxième que j'ai, je crois. Par contre, vraiment, les cochons, ils veulent pas spawn, là. Ils en ont rien à faire. Je vais attendre de voir, quand même, si j'ai pas un autre spawner. Parce que ça pourrait être intéressant quoi, d'avoir un autre. Et bah on va voir hein. On va voir. Oh non, je crois que le lapin il sautait dans le vide. Oh non, le lapin. Mais purée. Les lapins ils sont bêtes aussi. Pourquoi ils sont aussi bêtes? Il a sauté dans le vide le lapin. Oh, j'ai une obsidienne. Oh, c'est ma première obsidienne. J'en ai jamais eu encore. Trop bien. J'ai eu des bottines en diamant. Oui. J'ai des pieds au sec. Ok, la poule a pondu 2 œufs. Tentons notre chance. J'espère qu'il y aura un petit bébé là. Non. Toujours pas de petit bébé poule. Greu. J'ai un cookie. Cookie, cookie. Oh, regardez ce que j'en ai à voir. J'ai une tête de creeper. On va le mettre où? Vas-y, on va le mettre là. Oh, trop stylé, franchement trop stylé. Nice. Voilà, faudrait que je mette des torches par contre par ici. Hein. Là, c'est quand même assez sombre. Hein. Voilà, nice. Oh, j'ai une teuf de vache. Trop bien. Voilà, la famille des vaches s'agrandit. Oh my god, regardez ce que j'en ai à voir. J'ai une pomme cheatée. Ça, ces pommes-là, avant, on pouvait les crafter avec des blocs d'or et elles sont vraiment trop cheatées. Genre, ça vous donne plus 8 cœurs, ça vous donne résistance au feu et tout. C'est trop pété. Et regardez ce que j'ai fait du coup, je vais vous montrer. J'ai réuni tous mes œufs de mobs que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et je suis en train de réunir aussi des blocs pour fabriquer l'usine. Usine à Blaze, hein, ce serait pas mal. Ok, je viens d'avoir une idée. Comme je vous ai dit, le spawner à villageois, là, à zombie villageois, il est beaucoup trop haut. En fait, j'ai eu l'idée ici de descendre avec un seau d'eau.
et de poser des blocs au fur et à mesure. Donc, ouais, j'espère que ça va bien se passer. Alors attendez, on va prendre plusieurs seaux d'eau parce qu'on sait jamais, hein. Donc là, le but, c'est que je vais monter, descendre et je vais mettre des blocs. Donc attention. Faut être quand même assez... Donc, vous voyez, je vais mettre des blocs comme ça. Purée, bah là, ça va être tendu. Pour faire une salle, du coup, plus bas, où je pourrais installer mon truc de spawner. Attendez, j'ai eu des œufs entre temps. Oh mince! Oh, je voulais le mettre dans le coffre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout bien. Ok, let's go. Déjà, j'ai réussi à faire une bonne descente, là. Ok, on y va. Non, pourquoi j'ai pris des dalles? Attends, hop. Là, je pense que ça suffit déjà, hein. C'est pas mal, hein. Alors, attendez, parce que là, on a un petit problème. Voilà. Hop. Et là, comme ça, ça me fait ma... Bah, faut que je fasse une plateforme en bas, quoi. Donc là, ça me paraît pas mal, hein, pour que les blés, ils y tombent et tout. Et après, on reliera de l'autre côté, comme ça, je me ferai un passage et tout. Donc, bah, c'est parti. On va faire le plancher, du coup. On fait attention à pas tomber. Purée, 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 purée. C'est chaud. Ok, on va faire le plancher. On va faire le plancher ici. Je vais laisser l'eau pour le moment, parce que ça me sécurise quand même un peu. Voilà. Et c'est bon. Donc là, on va pouvoir faire le plancher en toute sécurité. Donc suffit de faire attention et voilà, ça va le faire. Oh, j'ai un œuf de saumon. Trop bizarre. Du coup, c'est parti. Je vais aller faire la plateforme en bas qui va remonter après de l'autre côté. Je sais pas trop comment. Et ensuite, on installera le spawner à Blaze une fois que toute la structure sera terminée, bien sûr. Ça va me demander pas mal de temps. Hein. Je sais pas si on va finir à cet épisode. Hein. Purée, je voulais... Non, non. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, 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 oh my god. Tout va bien, j'ai failli mourir. Oh, j'ai eu trop peur là. Oh purée, attendez, faut que je me remette de mes émotions. Mais il va me falloir tellement de blocs par contre, c'est ça que je voulais vous dire. Oh là là, cette galère, je vous jure. Ok, c'est parfait là. Alors attends, faut que je me fasse une rambarde après de l'autre côté. Alors sachant que je continue à avoir des blocs là, je sais pas ce que c'est encore, mais... Barrière de sécurité pour Flanou. Donc c'est parti, on grimpe, on teste. Oh, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, le truc de retour. Nice, je suis contente. Alors, j'espère surtout que les blazes peuvent spawn, peu importe les conditions, hein. Parce que j'espère qu'il faut pas être dans le nether ou quoi pour qu'ils spawnent, hein. Et surtout, il va falloir que je trouve l'endroit où je dois être pour les tuer, en fait, pour les taper. Bon, vas-y, let's go. Déjà, je vais agrandir la plateforme ici. Déjà, va pas falloir qu'ils partent de partout. Donc, va falloir qu'on mette des trucs de sécurité comme ça, là, à plusieurs hauteurs. Que ce soit comme ça. Voilà. Et de l'autre bord. Ici. Voilà. Parfait. Ça, ça les pousse ici, là, je pense. Et on va voir ce que ça donne. On va transformer le spawner en blaze. Ah ouais, mais les blazes, ils spawnent le jour aussi ou pas? Bah non, il y a trop de lumière, ils vont pas spawn, hein. Ils vont pas spawn, je pense. Mais qui c'est qui ouvre les portes là-haut, sérieux? À chaque fois que je suis en bas, j'entends quelqu'un ouvrir les portes et quand je monte, il y a personne. Franchement, c'est la première fois que je fais ça pour un spawner à Blaze, donc n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas d'autres blocs, j'ai quasiment que du bois. Et les Blaze, ça lance des boules de feu, donc ils peuvent cramer le bois. Mais ouais, j'ai que ça, quoi. Et je sais pas surtout est-ce qu'ils vont tomber, là, bien. Oh, c'est compliqué, les spawners, Ok, donc voilà ce que ça donne. Attends, je vais récupérer mes lianes. D'au-dessus du spawner. Voilà, ça donne ça. Ah, bah, il y a un zombie, d'ailleurs, en bas. Bah, comment ça se fait qu'il crame pas? Ah bah non, bah, il est dans l'eau, ouais. Les blazes. Mais par contre, s'il me crame tout, mais je vais être dégoûtée. Je sais pas s'il y a le feu qui se répand ou pas, en fait, dans la map. En tout cas, le temple est presque fini. Voilà, dernier bloc. C'était le dernier bloc, là, du temple. Yes, trop bien. Regardez, on a fini le temple de la concrete. Yes. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Du coup, c'est parti. On va transformer le spawner à zombie villageois en spawner en blaze. Si je veux le changer, en fait, c'est intéressant parce que j'ai pas mal de trucs en vrai. Hein. J'espère juste que ça va fonctionner pour les blazes. Franchement, j'ai trop peur qu'ils me crament tout, là. Allez, c'est... parti, let's go. C'est parti. Tac. Oh, il spawn déjà. Oh purée. Alors attends, faut que j'aille me mettre en bas maintenant.
Faut que j'aille me mettre en bas et on va voir si ça fonctionne du coup. Normalement, ils sont censés descendre en bas. Ils viennent pas? Ils sont venus ou pas? Peut-être qu'ils sont venus et qu'ils sont morts, hein. Bon, on va attendre la nuit pour savoir, on va attendre la nuit. Ok, regardez ça, le soleil est en train de se coucher à l'horizon. Ah, mais je peux mettre un lit ici aussi, au cas où. Hop. Ah, par contre, j'ai oublié la lumière ici, mince! Regardez, il y a quelqu'un qui nous observe, là. Bonjour! Viens voir, est-ce que ça spawn? Quoi? Non! Je crois que je me suis trompée, en fait. J'ai pas fait le spawner à Blaze. Je crois que j'ai juste fait spawn des Blaze à... Oh non! Attends, on va aller voir. Attends, c'est parti. Donc, j'accroupis. Ah si, c'est bon, c'est un spawner à Blaze, là. C'est bon. Alors, attends, on va voir si ça spawn. Ah mais non, ils spawnent pas du tout là, en fait. Oh oh. Je crois qu'ils ont spawn sur mon île. Oh purée. Ah si, il y en a qui spawnent là. Ah oh, super. Ouah, par contre, ils font mal, hein. Attends, faut peut-être que je me cache un peu plus. Genre comme ça, je me cache. Comme ça, ils viennent dans l'eau, ils meurent. Ouais. Non, je vais mourir. Ah. Ok, est-ce que le feu se répand? On dirait que non, hein. On dirait que non. Ah, trop bien, ça marche, mon usine! Yes, ça marche! Bah, par contre, faut éteindre le feu, ouais. Alors, attends. Si je reste là, peut-être ça va aller. Aïe, non, ça va pas. Ok. J'ai un demi-cœur. Attendez, on va boucher ici. Tac. Voilà. On va attendre de voir si on récupère l'XP et les loot. Non, mais ça a l'air de spawn, hein. Ça a l'air de spawn. Là, le problème, c'est qu'ils peuvent me tuer. Alors, attends. Oh oh. Oh. Je suis morte. Hein. Attends. J'ai perdu tellement d'XP, là. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est bon, tout va bien. Comme ça, et là, je les tape ici. Là, ils peuvent pas m'atteindre, je crois. Ah, yes! Ça y est, ça marche comme ça! Ah, trop bien! Bon, bah, attends. On répare, du coup. Là, il me faut une dalle, plutôt. Et j'ai ma première Blaze Rod! Yes! Ah, je suis trop contente. Aïe, aïe, aïe. Bon, au pire, je mettrai un stuff. Oh, mais purée, je suis encore morte! Attends, je vais aller mettre un stuff. Il devrait pas pouvoir me tuer. Ah, trop bien! Trop bien! J'ai déjà deux Blaze Rod! Yes, c'est bon, ça fonctionne, notre truc. Yeah! Cinquième Blaze Rod! Trop bien. Bah, mon herbe s'est répandue, mais... Toujours pas de... Quoi? Oh non, j'ai des blazes qui s'échappent. Oh là là. Ça, j'avais pas prévu, par contre. Attends, ma vache, faut que tu me donnes à manger, là, parce que je vais mourir, moi. Oh, je sais pas ce que j'ai fait de mon bol. Allez, aide. Oh non! Oh non, je vais crever. Attends. Non! En plus, comment ça va? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là! Finalement, ce spawner, c'est la galère, là. Je crois que je vais devoir refermer au-dessus, hein. Puisque là, regardez. Oh, y a des blazes partout, en fait. Oh my god. J'ai fait une catastrophe, je crois. Allez, un bébé poulet, s'il te plaît. Oh, oui! On a eu un bébé! Ah, oh, trop bien! Bon, bah, plus tard, quand il sera grand, je pourrai lui donner des... Des graines et comme ça ils feront des bébés. Trop bien, yes. Yes, on a deux poules. Bon bah aujourd'hui franchement on a fait pas mal de trucs. Donc voilà, on aura fini le temple de la concrete. On aura fait le spawner à Blaze qui est franchement incroyable, sauf que j'ai des petits problèmes de fuite. On aura fait du coup une usine à poules. Yay. Et bah les cochons par contre ils veulent toujours pas spawn, hein. Pourtant j'ai mis de l'herbe et tout, je comprends pas ça, c'est bizarre. Ah, j'ai des élytras. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo fantastique. Merci à tous de l'avoir suivi, je vous fais plein de bisous. Prochain épisode, peut-être un Wither Boss. On réparera l'usine à Blaze, je pense, parce que là c'est la catastrophe. On verra si on peut avoir un autre spawner pour avoir d'autres animaux. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre soutien, plus particulièrement aux membres Emerald, Demon Wolf, Sovnap et Takumi. Merci à tous. Si vous voulez en savoir plus sur les membres, cliquez sur le bouton rejoindre et vous aurez toutes les explications.
Et puis, quant à moi, je vous fais plein de bisous. Notez sur 10 mon spawner à Blaze, là, dans les commentaires. Voir si j'ai bien réussi ou pas. Voilà, plein de bisous. À une prochaine. Bye bye. Bye.